Ça y est, vous avez pu voir enfin ma routine du matin. Vous savez que je suis pas trop chaude pour faire les routines du matin, les routines du soir, les Get Ready With Me. C'est pas quelque chose bon, mais bon, vous me l'avez demandé, donc je l'ai fait. Et en même temps, placement de produit, je l'ai fait. Donc on va y venir juste après au niveau du produit. Donc déjà, dites-moi ce que vous pensez par rapport à la morning du matin. Voilà ce que vous en pensez. Ça n'a pas été facile pour moi de tourner parce que moi je suis seule, je sais pas comment les autres copines youtubeuses font, mais franchement c'est waouh, c'est pas facile. Bon, je pense que je m'en suis quand même pas mal tirée, hein. Bon, on a vu des petits passages un peu dans la douche, attention. Mais en tout cas, c'est vrai que j'ai pris plaisir à faire. C'est vrai que c'est un petit peu plus dur au niveau du montage après, mais en tout cas, bon, c'est plutôt sympa. Là, en plus, Lily n'était pas là, donc elle pouvait pas m'aider, ou Peter Pan, comme il a pu faire dans ma routine cheveux, où je vous montre comment je peux me coiffer. Donc du coup, là, ça a été moi, hein, le coupage et le coupage. Je viens vous parler de cette crème-là. Oui, de cette crème-là. Vous savez que moi et L'Oréal, on a une amitié un peu particulière. Il y a certains produits de chez L'Oréal que j'apprécie, qui me vont bien, et il y a d'autres produits qui ne me vont pas. Et quand ça ne me va pas, j'ai vraiment de grosses réactions. Et là, c'est vrai que quand je teste un produit L'Oréal, j'appréhende. Vous avez déjà vu mes déboires quand j'ai pu tester la CC crème de L'Oréal, ce que ça peut me faire au niveau de mon visage. Quand j'ai pu tester le gloss, ça m'avait complètement brûlé mes lèvres. Vous avez vu aussi les photos. Ça, c'est pour les anciennes abonnées, hein. C'est ce que ça remonte un petit peu, mais vous retrouverez sur ma chaîne, il n'y a aucun souci. Mais après, j'ai pu retester du make-up, des produits, sans souci, voilà. D'ailleurs, ou même certains mascaras, je suis fan de leurs mascaras, comme le Féline. Là, je me suis dit, je vais tester. Donc, Doumia, du site Sublime, m'a proposé de tester cette crème parce qu'en plus de ça, cette crème-là, elle est ciblée des 35 ans. Je sais, j'en ai 40, mais attendez, de 35 ans à 45 ans. Donc, sa particularité, en fait, c'est qu'il y a du collagène, c'est une crème anti-rides, mais écoutez, les gars, c'est qu'il y a côté hydratant. Et ça, j'ai dit oui parce que ça m'intéresse énormément. Ma peau, je ne suis pas quelqu'un, je pense, à être ridée. J'ai des rides d'expression, mais au niveau de mon visage, vous voyez bien sur mes photos, je ne suis pas quelqu'un de ridé. J'ai toujours pris soin de ma peau et j'ai toujours dit, et j'ai une copine aussi esthéticienne qui me dit que tant que tu nourris, tu hydrates ta peau, ça peut que apporter de l'eau, de la nourriture à ta peau pour la gonfler, et voilà. Après, ça peut être génétique. Il y a des gens qui sont ridés, Et ça, on ne peut rien y faire, et à n'importe quel âge. Après, il y a aussi des soucis de santé, il y a la maigreur aussi qui peut faire. Il y a énormément de choses qui rentrent en considération au niveau des rides et des expressions. Bah, moi, voilà, c'est plus des rides, des expressions du visage. Donc, L'Oréal a sorti donc cette crème-là. Alors, au niveau packaging, c'est un packaging normal, hein, basique, hein, c'est un pont vert. Faites attention de ne pas faire comme moi, ça m'est déjà arrivé avec une autre crème de péter les mailles de mon évier quand vous l'utilisez le matin, parce qu'elle s'utilise que le matin sur le visage et le cou, bien évidemment nettoyé avant. Donc faites bien attention, le couvercle il est en plastique et quand vous ouvrez votre crème, vous avez une opercule. Bon là, il reste collé par moment, mais vous avez une opercule et vous avez, ce qui est bien, quelque chose pour la tenir et l'ouvrir. C'est une crème, je vais vous montrer ça, c'est une crème qui sent très bon. L'odeur, elle est particulièrement agréable, j'aime beaucoup. Et c'est vrai que le matin, quand on a un peu la tête dans les fesses, moi j'adore déjà me doucher avec des produits qui vont me... Voilà, j'ai plein de gels de douche, pourquoi? Parce que c'est suivant mes humeurs, les situations et tout ça. Là, mes crèmes, je ne peux pas faire ça, hein, je ne peux pas en avoir 15 000, c'est pas possible et c'est pas bon. Donc du coup, je suis contente quand j'utilise une crème qui a une odeur qui me convient. Son odeur, j'adore et ça sent le bébé. Mais un truc de dingue, j'adore. Sa texture, je vous montre tout de suite. Vous voyez, elle est épaisse, hein, ça coule pas, donc il n'y a aucun problème. Je déteste les crèmes, moi, qui coulent. Voilà, et franchement, elle s'applique, vous voyez, très vite. Il n'y a aucun souci de pénétration de cette crème. Et tout de suite derrière, vous pouvez appliquer votre fond de teint. Vous n'avez pas du tout la peau grasse. Et dès qu'on l'applique, on a ce côté hydratant que j'adore. Il fonctionne tout de suite, le côté hydratant. Ça m'apaise tout de suite mes joues. Vous savez que j'ai les joues qui sont extrêmement sensibles ici. En plus, l'eau où je suis là actuellement est très calcaire, donc ça me picote le visage. J'évite un maximum de m'appliquer l'eau sur le visage parce que je ne vous explique pas. Et après, ça me fait des démangeaisons ici. Et déjà là, je n'ai eu aucune réaction allergique, hein, déjà au niveau de la crème. Et en même temps, ce que j'ai pu constater, c'est que, évidemment, il y a l'effet... hydratant, alors là, nickel pour moi. Et le côté où ma peau, je la trouve beaucoup plus lissée, où là, je vois un résultat. Il y a certaines crèmes que je vous dis, je ne vois pas, mais ça, on est toutes différentes. Donc, c'est pas évident de vous dire, là, c'est mon avis, c'est par rapport à ma peau à moi, où je vais ressentir le côté hydratant tout de suite, où je vais revoir le côté un peu repulpant, un peu pas liftant, mais ça fait un peu plus lisse, où là je vois comme une certaine crème que je vous ai présentée déjà sur ma chaîne, où je vous ai bassonné les oreilles, et ben voilà, là je vois, il y a une autre gamme que j'utilise le soir, hein, je vous en ai parlé rabâché, que j'utilise et je ne vois aucun effet. Alors strictement rien. Et là, cette crème-là, eh bien, pour être honnête avec vous, c'est pour ça que je vous en parle, parce que vous savez que avec le site Sublime, ce qui est bien, c'est qu'on est vraiment strictement libre et on est libre d'accepter ou pas de tester les produits. Voilà, donc moi mes crèmes de jour, c'est vrai, se terminaient et je me dis, bah là ça tombe au bon moment et là je vous en parle parce que j'aime bien cette crème. Voilà, maintenant, vous allez pouvoir en gagner une sur mon Instagram. Les conditions sont en barre d'infos et dès que cette vidéo-là sera sortie, postée sur ma chaîne, vous aurez la photo sur Instagram. Alors, je me répète, mais c'est pas grave, il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas comment faire. Sur Instagram, je mets une photo. Il faut la prendre, cette photo-là. C'est-à-dire que vous la screenez ou alors même de votre écran d'ordinateur avec votre téléphone. C'est pas grave. Du moment que cette photo, elle est sur votre Insta à vous, avec les hashtags que vous allez avoir à mettre, hein, bien évidemment, parce que bon, là, c'est le site Sublime de Alexiane qui vous offre cette crème avec, en partenariat, L'Oréal. Donc, bah, c'est quand même un peu normal. Donc, les conditions, c'est de suivre Sublime et de suivre L'Oréal. Voilà, vous avez que ça à faire et après je ferai le tirage au sort via random et c'est Alexiane qui vous fera parvenir cette crème. Donc ça, je trouve ça plutôt cool et j'adore les partenariats comme ça. Yes, je vous fais plein de gros bisous. Dites-moi ce que vous avez pensé de la routine et pour celles qui l'ont peut-être déjà, dites-moi ce que vous en pensez. Je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à bientôt dans une autre vidéo. Smile and smile.